Savignac, une signature publiée dans de nombreux journaux. Sud-Ouest, la Dordogne libre, le Parisien, l'Humanité. Derrière ce trait, un périgourdin originaire du Ribéracois. Je sais pas où le classer, ça va pas le mettre dans la santé, ni dans la médecine, non. C'est en 1982, lors d'un procès qu'il couvrait comme journaliste, que Jean-Louis Savignac a commis son premier dessin. La justice, une de ses spécialités. On est là pour faire passer une ambiance, oui. Il y a des ambiances de plomb, il y a des ambiances assez terribles dans les procès. Il y a des ambiances où les jurés s'endorment, on peut faire de l'humour. On dessine des petits moutons, mardi, mercredi, jeudi, un petit mouton. D'avoir croisé Émile Louis ne l'a pas vacciné contre une certaine fantaisie, une poésie qui sublime le quotidien. Après un repas, j'avais constaté que les hirondelles étaient prêtes à prendre leur départ. Elles étaient toutes alignées sur les fils. Et c'était l'époque où mes filles jouaient du violon. Et je leur avais demandé de jouer la partition des hirondelles. Et ben en fait, ça donnait pas grand-chose, quoi. Une exposition à voir jusqu'à dimanche au Temple de la Roche-Chalet, 14h-17h30. Venez, je vous attends, en chair et en os.